Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un nouveau time trial de Mario Kart Chrono sur Mario Kart 8 avec la route du dragon, le circuit route du dragon. Comme vous pouvez le voir, le développeur il a encore fait n'importe quoi, moi je l'ai encore défoncé. Je crois qu'il a fait 2 minutes 5, j'ai vu vite fait, moi j'ai fait 1:58. Voilà, donc c'est quand même incroyable hein, de le défoncer autant, hein, de 7 secondes, même si des fois on le défonce de 11 secondes. Et si vous êtes un acharné de la vie, et que vous êtes proche du record mondial, là c'est plutôt de 20 secondes. Donc voilà, alors circuit du dragon, j'ai fait avec Yoshi, bleu, parce que c'est ma couleur préférée. Et comme vous pouvez le voir, c'est un circuit assez technique, on tourne pas mal, et donc j'ai mis pas mal de temps à le faire, ce time trial, même si ça date vraiment, mais je vais essayer de bien expliquer, car je me souviens quand même de certains passages assez durs en time trial, comme ici, voilà, le cut, faut surtout pas tomber, mais je me souviens que je faisais le virage, quand je faisais le virage, j'allais après à fond à droite et on tombait pas, on tombe pas dans ce cas-là. On peut croire comme ça en allant à fond à droite qu'on risquerait de tomber facilement, mais finalement non. Quand vous utilisez le champignon et puis vous allez à fond à droite, et ben vous ne tombez pas dans ce cut. Donc allez-y à cœur joie, hein, essayez de vous suicider, voilà. faut se dire ça, hein. Faut essayer de se suicider pour faire ce cut à fond à droite, là voilà. Puis quand on active le champignon, on va à fond à droite. Faut pas avoir peur. Voilà, c'est un cut pas très difficile à faire. Il y a juste le reste, voilà, où faut pas mal tourner et tout. Et puis faut pas toucher, le côté quoi. Les clôtures, toutes ces conneries. Et pas tombé. Voilà, magnifique Lanceflare. Ce circuit est vraiment magnifique, hein, du premier DLC qu'on a pu avoir. D'ailleurs, je vous dis encore une fois, enfin, je sais plus si je l'avais dit en fait, mais achetez les deux DLC, ils valent le coup. Voilà, si vous avez Mario Kart 8. Bien sûr. Franchement, pour... seulement, je sais plus, c'était 12€ pour les deux. Ça vaut vraiment le coup. J'avais fait d'ailleurs une vidéo découverte sur ce circuit-là. Sur le premier DLC. Et sur le second exactement. Aussi. Je perds mes mots. sur le second également, voilà. Comme vous pouvez voir, je l'ai fait en un temps plutôt admirable. Non, c'est pas un temps non plus incroyable. J'aurais pu peut-être prendre, essayer avec Donkey Kong, mais je l'ai pas fait. Ah, moi j'ai envie des fois de changer un peu, hein, de prendre le petit Yoshi bleu, parce que j'aime bien Yoshi. Ah, d'ailleurs, en parlant de Yoshi, pour Yoshi Woolly World, j'ai pas du tout avancé. Et je dois d'ailleurs me retaper les deux mondes, les deux premiers mondes du jeu, vu que, bien sûr, j'ai changé de Wii U. C'est super. Ah, c'est tellement pratique, ce système de Wii U avec les sauvegardes. Dire qu'on est en plus obligé de contacter Nintendo pour pouvoir réenregistrer notre compte Nintendo Network sur la nouvelle Wii U et d'enlever le compte Nintendo Network de l'ancienne Wii U,
Donc, c'est de transférer. Mais ça fait chier toutes ces conneries, c'est mal branlé. Oui, je sais, je suis un peu grossi. C'est mal foutu et... Voilà, j'ai rien à dire, c'est Nintendo. Ah, mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas les cartes mémoire? C'était 10 fois mieux l'époque des cartes mémoire. Il n'y avait pas de problème. Sauf si vous achetez une carte mémoire qui n'était pas de Big Ben. Et de Big... pas de Big N plutôt. Mais d'une autre marque. Bah, si c'était des autres marques, forcément, il y avait du formatage. Et certains jeux qui aussi voulaient être formatés. Comme Desert Storm. Pour ne pas le nommer. Bien sûr. Ah, sur GameCube, si vous... jouez à Desert Storm, je vous conseille d'y jouer avec une carte mémoire vide. Ah, puisque des fois il veut être formaté ce jeu là, et puis il y a une fois il s'est formaté à la mission, à la 11e mission, donc ça m'a fait chier. Et donc du coup j'ai recommencé et c'était bon, j'ai pu finir sans qu'il se formate une nouvelle fois. Enfin, mission 11 ou mission 10, je sais plus, mais voilà. En même temps, ça date de 5 ans. Voilà, vous voyez ma parfaite prestation avec Yoshi. Hein. Il y a juste la vitesse qui manque, peut-être, voilà. C'est pour ça que je vous parlais de Donkey Kong. Utiliser Donkey Kong pour ce circuit. Mais moi, je me vois pas trop le refaire, le circuit, je l'ai fait assez bien, là. À la revoyure pour de nouvelles aventures et pour un nouveau Mario Kart Chrono.